Retour en 2018, la suite. Oui, le 14 juillet 2018, eh bien, je suis allé à la rencontre d'un abonné, Clément, grâce à qui eh bien, j'ai pu passer la barre symbolique des 1000 jeux. Voilà, je le rappelle, sur 1411 jeux pâles qu'il y a dans le full set PS1, et j'ai donc testé ces jeux trouvés ce jour-là. Alors attention, les jeux que je vais vous présenter n'ont toujours pas révolutionné le monde vidéoludique. Ils sont peut-être sortis au mauvais moment face à des hits de la console et eh bien qu'on soit passé tout simplement à côté. Ce que je recherche, eh bien avant tout, c'est à m'amuser et à passer un bon moment. Bienvenue, nous sommes en route vers le full set PS1, épisode 13. Cyber Tiger, eh bien il s'agit d'un jeu de golf, voilà, il est le numéro 2370, voilà, sur la tranche. Il est sorti en 99 en Europe et aux États-Unis, et celui-ci est en full FR, il est tout en français. C'est un jeu dont je vous avais déjà parlé pendant le confinement, voilà, dans l'épisode du 11 avril 2020, jour 26, et je vous mettrai le lien dans la description où il y a un petit truc qui s'affichera en haut de l'écran. Je vous avais fait une petite présentation assez simple du jeu en quelque sorte, mais qu'en est-il vraiment ? Du jeu manette en main. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On retrouve donc Tiger Woods en version ado, adulte et cyber. Tiger, vous suivez ? Je ne suis pas expert en jeu de golf, mais pour une première prise en main, je dirais que... Alors, c'est jouable, c'est pas hyper beau, mais c'est pas moche non plus, c'est bien animé, et on a droit à un inventaire dans lequel sont rangées des balles bonus, comme la super balle, la balle fantôme, la balle tornade. Bon, techniquement, j'ai juste réussi à mettre un peu d'effet avec la croix directionnelle. Il n'y a qu'un seul parcours disponible, 4 sont à débloquer, 8 golfeurs ou golfeuses sont disponibles, mais seul Tiger Woods est en officiel, les autres sont des personnages créés. Il y a au total 15 jeux de golf sur PS1. Alors je me suis posé la question, et si ce jeu, on le comparait à Everybody's Golf, une des licences les plus connues et ressortie récemment sur PS4, c'est parti pour un petit test bonus de Everybody's Golf, oui, qui est aussi un jeu de golf, celui-ci a le numéro 983, il est sorti en 1998 en Europe. Et c'est un jeu, celui-ci, il est full FR, il est tout en français. Ce jeu vient de chez Sony, alors que Cyber Tiger est un jeu EA Sports. Dans Everybody's Golf, on retrouve différents modes de jeu, un mode tuto pour apprendre les bases, 10 personnages dont seulement 2 sont disponibles au départ, un mode mini-golf, ça c'est une très bonne idée. Bon, ça c'était pour la présentation. Passons aux choses sérieuses, direction le parcours. Le jeu n'est pas compatible avec la DualShock, l'unique musique qui est proposée devient vite agaçante, et il n'y a même pas de menu pause. Il est impossible de revenir en arrière. Alors sinon, graphiquement, ça se vaut avec Cyber Tiger, les jeux sont quasi identiques. Bref, je préfère Cyber Tiger entre les deux, puisqu'il est plus agréable à jouer, il est plus agréable à prendre en main, et puis bah oui, je suis bien en train de parler de jeux de golf. Too Xtreme, c'est le jeu qui m'a le plus attiré dès le départ dans ce lot. C'est un jeu de course, il a le numéro 400, voilà, on est au début de la console, il n'y a pas le bandeau Black Label en bas, vous savez, le nom PlayStation en bas. Celui-ci est en anglais, français et allemand au dos de la boîte, il est sorti en 96 aux États-Unis et en 97 en Europe, et c'est un jeu qui a été développé et édité par Sony. Comme dans tout bon jeu de sport extrême qui se respecte dans les années 90, on a droit à une intro rock. Yeah ! Too Xtreme vous propose 10 personnages au choix et customisables suivant des critères de vitesse maxi, d'accélération et de jouabilité, 12 circuits différents répartis en 3 circuits par discipline que sont le skate, le roller, le VTT et le snowboard. Et c'est parti ! En fait, Too Xtreme, eh bien, c'est la suite de Aspen Extreme Games, un jeu qui est sorti au tout début de la PS1 et auquel j'ai beaucoup joué. Le jeu est composé de sprites en 2D à l'ancienne et tout ça bouge en 3D avec une espèce de mode 7 à la Super Nintendo mais sur PS1. Too Xtreme est un jeu dans le même style et comparable à Road Rash, et je dois bien avouer que tous ces jeux en fausse 3D ont assez mal vieilli. Alors, le jeu aura droit à une suite en 1999 sous le nom de 3 Xtreme. Oui, je le prononce à la française, même si le jeu n'est jamais sorti en France et qu'il est sorti qu'aux États-Unis. Et développé par 989 Studios, à qui l'on doit les Cool Borders 3 et 4 et la célèbre série Siphon Filter sur PS1. Too Xtreme n'apporte donc rien de bien nouveau, mais reste un bon jeu si vous avez apprécié le premier. USA Racing Devilex. Fuyez, pauvre fou. Non, vous n'avez pas envie que je vous parle de ce jeu. Non, vous n'avez pas envie d'entendre que... Oui, je l'ai testé. Oui, j'y ai joué. Oui, le jeu est buggé. Oui, l'IA est pété. Oui, il est sorti en 2002. Et oui, le jeu est moche. Et pourtant, ce jeu numéro 3810 est tout en français. Il est en full FR, celui-ci. Il a été développé et édité par Devilex, qui est un studio qui était aux Pays-Bas,
Voilà, Davilex, tristement connu eh bien, pour ses nombreux jeux médiocres. Et pourtant, avec ce USA Racing, je me suis plus amusé avec ce jeu qu'avec un shérif fais-moi peur. La radio, à elle seule, vaut le coup d'essayer ce jeu. Elle est très drôle et je pense aussi très inspirée d'un GTA 3 sorti un an plus tôt. Le jeu est aussi entièrement en français in-game. Les musiques sont variées et pas spécialement agaçantes. On peut améliorer les véhicules en fonction des courses que l'on va gagner. Et il y a différents contenus que l'on débloque assez facilement au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Et donc, oui, aussi mauvais soit le jeu, et donc même pour rigoler, je me dis que des développeurs amateurs qui essaieraient de refaire ce jeu-là aujourd'hui, eh ben ça demanderait beaucoup d'efforts. Future Racer est un jeu sorti en 2001 en PAL, et connu aussi sous le nom de Defeat Lightning, sorti en 97 au Japon. Oui, 4 ans. Et il est aussi ressorti dans la compile All-Star Action en 2003 sous le nom de Power Riders. Voilà, c'est tout pareil. Ah, ils sont forts chez Midas, ils sont très forts. Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Future Racer, c'est un Wipeout-like, mais sans les bonus au sol à ramasser. Mais avec toutefois la possibilité de taper ses ennemis comme dans un Road Rash. Le jeu propose 6 personnages au choix, avec un chara-design très orienté manga et que je trouve au passage très réussi. Ça, là-dessus, y'a rien à dire. Un seul circuit est accessible au départ, 4 circuits sont à débloquer, la jouabilité et les musiques sont correctes, enfin, même si j'ai pas spécialement tout compris sur le principe avec une sorte de balle aux prisonniers et un compteur de points, enfin... Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur ce jeu, mais en même temps, est-ce qu'il y a besoin de s'y attarder plus que ça ? Formula Nippon. Il s'agit d'un jeu de course sorti en 1999 au Japon et en 2000 en Europe. Ici, il est en anglais, français et allemand, et c'est le jeu numéro 2527. Il a été développé et édité par Aeon Digital Entertainment, qui est une société basée en Angleterre. Le jeu est basé sur le championnat japonais de monoplace de l'année 99, équivalent au championnat GP2 en Europe. Le championnat 100% japonais se déroulant sur 6 circuits différents a débuté en 1973 sous le nom de Formule 2000, puis prendra le nom de Formule 2 et Formule 3000 avant d'être rebaptisé Formula Nippon de 1996 à 2012 avant de prendre le nom actuel de Super Formula. À ce jour, seulement 2 pilotes français ont remporté le championnat de Formula Nippon. Le jeu propose un mode histoire assez amusant et dans lequel vous devrez d'abord faire vos preuves en tant que pilote de karting, puis Formule 3 et enfin Formula Nippon. Les pilotes officiels sont présents et vous pourrez incarner le néerlandais Tom Coronel, vainqueur du championnat de 1999. Bon, graphiquement, le jeu n'est pas top, la jouabilité est très orientée arcade et les voitures prennent les virages de manière assez surnaturelle. Contrairement à un Formula One 2001 qui est plus beau mais beaucoup plus exigeant au niveau de la conduite et semble aussi plus rapide. Bref, Formula Nippon, c'est Nippon ni mauvais. Oui, j'ai osé la faire. Suivant. Trick and Snowboarder, il s'agit d'un jeu de course de snowboard, oui, dans sa superbe édition White Label, je reviendrai prochainement sur l'édition Black Label, c'est donc le jeu numéro 2304, il est sorti en 99 au Japon, en 2000 en Europe, et il a été édité par Capcom. Le jeu a été développé par Cave, célèbre pour ses shoot'em up comme Dodonpachi par exemple, et sa réputation n'est pas si surprenante que ça, surtout quand on sait que Cave était composé d'anciens de chez Toaplan. Enfin bref, revenons à nos moutons. Trick and Snowboarder propose 10 circuits, 4 personnages accessibles de base, un mode scénario, freeride et versus, un éditeur de replay, un éditeur de personnages et de logos. Au dos de la boîte, on nous indique même que l'on pourra débloquer Léon, Claire et un zombie cop de Resident Evil 2. Le jeu aurait presque pu s'appeler Resident Evil Snowboarding. Visuellement, le jeu ne vous mettra pas une claque, mais reste tout de même très lisible malgré un clipping assez prononcé. Il se rattrape sur une jouabilité accessible, même si je n'avais pas la notice au moment de faire le test pour avoir au moins les infos pour enchaîner les premières figures de base. À noter que ce jeu est une exclusivité PS1 et qu'il est en quelque sorte la suite spirituelle de Steep Slope Slider, un jeu sorti sur Saturn. Fait assez rare pour être souligné, le jeu est compatible avec le câble Link, ce qui veut dire que vous pourrez jouer à deux sur deux télés, avec deux jeux, deux consoles, deux manettes, etc., etc., etc. Trick and Snowboarder est un bon petit jeu de snowboard à la Tony Hawk qui saura vous occuper un jour de pluie. World League Soccer 98. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas le seul à avoir testé ce jeu-là. Non, parce que je sais pas, mais on compte plus le nombre de jeux de foot qui sont sortis sur PS1 en 98. Ok, d'accord, je suis un peu de mauvaise foi.
World League Soccer 98 est un jeu de foot sorti en 98 au Japon et en Europe. Et il a le jeu SLES numéro 1166 sur la tranche et celui-ci est tout en français, il est full FR. Le jeu propose 145 équipes issues de clubs des championnats européens, américains, japonais et équipes nationales. 7 modes de compétition, jouables de 1 à 4 joueurs, compatibles avec les manettes analogiques, il propose un affichage en haute résolution, comprenez en 640 par 480, ce qui fait à peu près cette taille-là quand on compare avec un affichage en HD actuel. On continue avec les caractéristiques techniques du jeu. Il tourne en 30 images par seconde, c'était bien à l'époque, et avec des animations réalisées en motion capture. Tout ça, c'est ce qu'on peut découvrir quand on lance le jeu. Malheureusement, ça ne fera pas de vous un bon joueur pour autant. Enfin, surtout pour moi, parce que je suis toujours aussi nul au jeu de foot. Ah ! Ah ! Ah ! J'ai failli l'oublier celui-là. PG à Tours 98. Bon, ok, je vais quand même vous dire deux, trois petites choses sur ce jeu, qui est une exclue PS1. Il s'agit donc d'un jeu de golf. Au cas où, s'il y avait encore besoin de préciser. C'est le jeu numéro 908, voilà, qu'on peut trouver sur la tranche. Et il est full FR, celui-ci est full FR. Il a été développé par NuFX et édité par EA Sports. It's in the game. Voilà, c'est ça. Sorti en 97 en Europe et aux États-Unis, ce jeu ressemble beaucoup à son prédécesseur. On est un peu dans un format de mise à jour annuelle comme la série des FIFA. Ce jeu fait tout de même partie d'une longue série de jeux qui a débuté avec PGA Tour Golf, le tout premier sorti sur DOS en 90 et sur Mega Drive, Super Nintendo et Amiga en 1991. PGA Tour 98 est le dernier de la série qui a ensuite changé de nom pour devenir Tiger Woods 99 PGA Tour Golf. Et ça jusqu'en 2014. Oui, la petite particularité du jeu, c'est que les joueurs sont digitalisés comme dans un Mortal Kombat. Mais la comparaison s'arrête là. L'addition, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur. Alors, ce qui nous fait donc que ces deux jeux-là, le PGA Tour 98 et le World League Soccer à 4,90€. Oui, les deux jeux trouvés dans le game cache du centre de ville de Caen. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jeux. Aïe, 13, ça porte malheur. Ou bonheur. Pour 32€, les 13 jeux. Oui. En boutique, ce qui fait du 2,50€ le jeu. Essayez de trouver ça voilà, sur eBay, Le Bon Coin et autres. Alors oui, vous allez me dire, c'était en 2018, mais je trouve que l'écart est encore pire aujourd'hui, en 2020. Merci Clément voilà, pour la balade, puisque grâce à toi, eh bien, j'ai pu mettre la main sur ce lot qui m'a permis d'atteindre les 1000 jeux dans le full set PS1. Alors c'était un palier important hein, quand même pour moi, mais le chemin est encore long. Est-ce que je terminerai le full set PS1 cette année? Est-ce qu'il y aura un nouvel épisode prochainement? Quels seront les prochains jeux à découvrir, bons ou moins bons? Est-ce qu'il y aura tout ça à la fois? Je ne sais pas. En attendant, abonne-toi! Et donc là, si tu veux t'abonner, tu peux cliquer sur le petit rond à droite, ou si tu veux voir une autre vidéo, tu peux cliquer sur la miniature à gauche.